pour réaliser le jersey en droit, c'est vraiment très simple et c'est vraiment la base du tricot. Pour commencer, vous gardez bien l'extrémité de votre fil vers la droite, puis votre fil de gauche. Comme vous venez de monter vos mailles, votre pelote est à droite. Vous la basculez vers la gauche, comme ça votre fil reste sur la gauche et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus pratique. Donc faites attention, ne vous trompez pas de fil. Prenez bien le fil qui est raccordé à la pelote. Pour cela, vous allez planter votre aiguille dans la maille. Passez le fil comme ceci. Je ressors par-dessous et je sors ma maille. Je pique mon aiguille dans ma maille. Je passe mon fil, donc en fait je passe sous l'aiguille et je repasse devant. Je ressors mon aiguille et je peux retirer ma maille. À nouveau, je pique, je passe mon fil, je ressors ma maille. Je pique, je passe mon fil. Je ressors ma maille. Donc ça c'est le premier rang. Donc votre premier rang, vous le faites à l'endroit, sur l'endroit du travail. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Donc là, je viens de faire mon premier rang. Pour vous repérer, c'est tout simple. Pour savoir quel est votre rang en droit et quel est votre rang en vert, sur votre rang en droit, le fil sera toujours vers votre droite. Donc quand vous tournez, forcément, là nous sommes sur l'envers du travail, le fil est à gauche. Pour le rang en vert, c'est très simple, on va faire toutes les mailles à l'envers. Donc là, vous passez votre aiguille en dessous du fil. Ça évite simplement d'emmêler son aiguille avec le fil. Vous passez en dessous du fil. Et là, à l'inverse, pour le rang droit, on pique de cette manière. Et pour le rang envers, on va piquer dans l'autre sens. Et là, je passe mon fil au-dessus de l'aiguille et je ressors de la même façon. Je pique. Je passe mon fil et je ressors. Je pique. Je passe mon fil et je ressors. Et là, vous voyez bien les petits épis. Donc là, vous avez fait deux rangs. C'est très simple. Vous faites un rang avec toutes les mailles à l'endroit et un rang avec toutes les mailles à l'envers. Donc maintenant, à vous d'essayer.